جسدي هبفتاك لبني داك في همي وندمي هواك ترى نور ونار إخوتي هيا للعلا سعيا نرشد الدنيا أنه لا نحيا بشعار الله الوطن الملك Sur les murs, le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين هم عن صلاتهم ساهون الذي يراءون يمنعون الماعون صدق الله العظيم partout autour de nous y a des signes d'espoir dans les regards d'où nous l'a écrit. Car dans la nuit, tout s'efface, même leurs traces. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime. Bonjour, bonjour chers fidèles parents, je suis vraiment heureuse de vous lancer ce petit message de remerciement. Vraiment un grand merci à tous les parents pour votre participation, votre collaboration, votre disponibilité qui nous a permis vraiment d'aller encore plus loin avec les enfants. On sait que la tâche n'était pas facile, ni pour nous, ni pour vous. Automatiquement, c'est une nouvelle expérience qu'on doit vraiment assumer tous les deux. Et on a fait la sorte. Vraiment, j'étais vraiment très ravie de travailler avec vos enfants, de les encadrer, de les réveiller le matin pour qu'ils puissent accéder à leurs cours. C'était vraiment une expérience aussi difficile pour eux, mais n'empêche qu'on a essayé de faire le maximum pour satisfaire presque tout le monde. Alors, je sais très bien que le confinement n'était pas vraiment une chose qui était acceptable au début, mais petit à petit, on va essayer de convaincre ce virus et essayer de sortir vers notre vie, notre école, nos maîtresses, notre environnement, vraiment qui nous manque énormément. Sachant très bien que j'étais vraiment fière de beaucoup d'élèves qu'ils ont vraiment fait les mains et les pieds pour continuer leur programme avec leur maîtresse jusqu'à le mois 6. Et ça m'a fait vraiment énormément chaud au cœur d'entendre aussi les opinions des parents qui étaient vraiment très satisfaits de notre travail. Même si nous, on n'est pas vraiment tout à fait satisfaits parce que vraiment, on pouvait faire mieux. Mais sachant comme une première expérience, c'est déjà pas mal. Je vous remercie tous. Je vous dis bonnes vacances. Et je vous dis aussi, profitez bien de la vidéo de la fête de fin d'année. On va faire de la sorte d'avoir des petits souvenirs du confinement, mais aussi de savoir comment c'était dur et c'était sympa en même temps. D'accord, vous étiez très proche du cœur, même si vous étiez un petit peu chez vous, très loin de nous, mais vous étiez proche de cœur. Je remercie les parents, je remercie pour votre sacrifice, le temps, la connexion, les téléphones, le matériel, le calme. Et tout ça, ce n'était pas évident pour vous, surtout travailler avec vos enfants tête à tête. Nous,
on est vraiment satisfait de vos efforts. On est satisfait aussi des efforts des enfants qui ont pu vraiment tenir le téléphone à chaque séance pour pouvoir travailler avec la maîtresse. Tous les émoticônes du monde ne peuvent vraiment satisfaire. Mais n'empêche que on vous aime et ça, ça se sent, ça se voit et vous allez encore le revoir, ce sentiment d'amour, d'affection, de tendresse l'année prochaine. Soyez toujours, c'est votre école Les Pléiades, soyez toujours les bienvenus à l'école Les Pléiades, sachant très bien qu'on fait le maximum, on fera toujours le plus, simplement pour vous satisfaire. C'est notre devoir. On n'est pas simplement des éducatrices, mais on est aussi des techniciens qui doivent vraiment manipuler la classe, manipuler les jeux, manipuler la méthode de travail pour pouvoir satisfaire tout type d'enfants. Sachant très bien que c'est, et comme je dis toujours, c'est pas toujours assez. Merci beaucoup pour votre attention. Merci pour votre collaboration. Merci pour votre sacrifice, votre temps, votre argent, le tout. Et ça nous fait vraiment énormément plaisir de travailler avec vous et de vous recevoir l'année prochaine. Alors, vous avez tous réussi, vous allez vous trouver au CP. N'empêche que vous serez toujours mes enfants à qui je vais jeter un coup d'œil là-haut au CP et dire un petit coucou à mes chers enfants. Je vous embrasse tous, je vous dis bonne santé, prenez soin de vous, lavez-vous les mains, essayez de rester propre, loin vraiment des gens, prenez vos distances parce qu'on va prendre une autre considération le début de l'année, Inch'Allah. On va essayer de garder nos distances, on va essayer de jouer à distance, on va essayer de s'asseoir et travailler à distance, on va essayer de faire le maximum pour rester en bonne forme. D'accord? Soyez prêts. L'année prochaine, on peut le faire et on est capable pour le faire, tous ensemble. D'accord? Un gros bisou. Au revoir. L'année scolaire se terminera dans quelques jours. Mon travail avec vous, chers petits, arrive donc à sa fin. Nous avons passé de bonnes heures, dans les bons jours comme dans les plus difficiles. À vous, mes chers parents de mes élèves, je vous demande de continuer de croire en votre enfant. Peu importe ses difficultés, votre soutien est ce qui lui a permis de continuer d'avancer sur son chemin scolaire en se faisant confiance. Votre enfant est unique et merveilleux. Ne l'oubliez jamais. Et à vous aussi, je vous dis au revoir. À vous, mes chers petits, sachez que la vie se chargera de vous placer sur mon chemin dans quelques années, afin que je puisse admirer quel adulte magnifique et unique vous serez devenu. Pour qu'on puisse se revoir, mes enfants, bientôt, lavez vos mains très souvent et bougez plus, ça va aller. Au revoir, mes enfants. Bonjour, chers parents. Je voudrais vous remercier de tout mon cœur d'avoir choisi nous faire confiance pour l'apprentissage, l'encadrement et l'accompagnement de vos petits anges. Ils sont la raison de notre mission. Nous sommes fiers d'avoir contribué à leur réussite et à leur épanouissement avec votre soutien et votre participation active au succès de processus d'apprentissage à distance. Un grand merci aussi à mes jolis papillons pour leur réactivité et leur disponibilité. Merci à tous. On espère que chacun de vous soit préservé de cette pandémie. Restez bien chez vous, mes enfants. Je vous souhaite de belles vacances. Je vous aime très fort. Au revoir. Assalamu alaikum. يشرفني أنا معلمتكم سهام أن أشكركم على مشاركتكم الفعالة خلال فترة الحجر الصحي. كنتم فعلا خير الأبناء وأفضل التلاميذ. تميزتم وأبدعتم أنتم وأمهاتكم. معلمتكم التي تحبكم كثيرا. السلام عليكم. يشرفني أنا معلمتكم سلوى من مدرسة الثريا أن أشكركم أعزائي الأطفال على مشاركتكم المتميزة خلال فترة الحجر الصحي. كنتم فعلا أفضل الأبناء وخير الأطفال. كما أتقدم بالشكر الجزيل لجميع أولياء الأمور على مشاركتكم المتميزة لإنجاح عملية التعلم عن بعد. أبنتم عن رقي لا مثيل له. بفضلكم تحولت التحديات إلى إنجازات. أطال الله في أعماركم وبارك في أبنائكم. معلمتكم سلوى. Bonjour chers enfants, je suis votre maîtresse Mariam de la grande section groupe C. Je tiens à remercier tous les parents qui ont participé pour faire réussir cette situation exceptionnelle. Vous étiez les soldats inconnus derrière l'écran et vous avez aidé à transformer les défis
en exploit. Je veux dire aussi à mes élèves que vous êtes toujours les meilleurs. Je vous aime beaucoup et bonnes vacances. Je suis l'éducatrice de la petite section à l'école moderne La Pléiade. Je tiens à remercier les parents pour leur implication dans la continuité pédagogique de leurs enfants. Mes petits poussins, j'étais très heureuse de vous accompagner dans votre apprentissage à distance. Mes petits poussins, j'aimerais bien vous dire quelque chose. Alors l'année prochaine, vous passerez en moyenne section. N'ayez pas peur. Votre maîtresse est trop gentille, vous la connaissez déjà. Profitez des vacances au maximum. Au plaisir de vous retrouver à la rentrée. D'accord mes petits poussins? Je vous adore. Hello my dear student. This is your teacher Fatna Zerwali. I hope you are doing good and staying healthy. I really miss you. I miss all of you. I miss all the good time we had in the classroom together. I have been so proud of the work you have been doing and showing me, and also the way you worked with this new way of learning. I do really like the activities you have been sharing with me. You really showed that you have a strong desire and an exciting and enthusiastic energy, which makes me very happy and satisfied to see you fighting and working hard to reach your goals. I want to thank you for the hard work. You really did a great job during this time, and I want to thank your families, your parents for cheering you up and encouraging you, and most important for supporting you. We enjoyed this time, although we are not together, but we have been working like a family. You give us your best. We are so proud of you and can't wait to see you, hopefully very soon, inshallah. Goodbye. Partout autour de nous, il y a des signes d'espoir dans les regards. Tout nous l'a écrit, car dans la nuit tout s'efface, même leurs traces. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime. Le plus petit triangle, c'est le orange. Ça, c'est le petit et ça, c'est le grand. C'est le grand. Ça, c'est petit, ça, c'est grand. Ça, c'est grand, ça, c'est petit. Ça, c'est petit, ça, c'est grand. Bonjour, maîtresse. Éléphant grand, éléphant petit. Dauphin grand, dauphin petit. Non, dauphin. Petit, dauphin grand. Pomme. Petit, pomme grand. Red. Purple. Green. Yellow. Blue. Brown, pink, ça c'est le plus grand, ça c'est le petit. Ça c'est le plus grand, ça c'est le plus petit. Ça c'est le plus grand, ça c'est le plus petit. La grande fête va commencer, attention au départ. Milly un peu essoufflée était presque en retard. Le beau big band des abeilles ne prend pas de repos. Jusqu'au lever du soleil, Flip donne le tempo. Soudain dit Maya, saisis donc ta chance et choubidou. Choubidou, faisons la Maya, danser, on va tourner. Choubidou, bidé, puis les bras levés. De plus merveilleux, qu'on soit grand, qu'on soit petit, ça nous rend tous heureux. Bientôt.
Taouson, Taouilon,
عندما أستيقظ في الصباح
الصباح نكتب بعض الأدعية والأذكار التي تعلمتها من معلمتي. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وإليك النشور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بعدها أتناول فطوري بسم الله. وعندما أنتهي من الفطور ألتحق بأصدقائي ومعلماتي داخل المجموعة لمتابعة دروسي عن بعد كي أحافظ على نفس المستوى الذي اكتسبته داخل المؤسسة. السلام عليكم. إذن في الأخير سوف نقوم بقراءة الحصيلة وهي و وعندما أنتهي من الدروس أقوم ببعض التمارين الرياضية. واحد، أن، دو، تخوا، كاتخ، سانك. أن، دو، تخوا، كاتخ، سانك. أن، دو، تخوا، كاتخ، سانك. أن، دو، تخوا، وبعض الأنشطة الفنية. Dragée. J'ai plus. J'ai plus. J'ai plus.
J'ai plus. J'ai plus. Une bougie. Une bougie. Une bougie. Gina. Un gâteau. Un gâteau. Un gâteau. Rigolo. Go. Aigu. Aigu. J'ai une glace. Une glace. Une grenade. Une grenade. Je. Comme je. Je. Une. Si. Je. J'ai plus et est égal j'ai une les fruits, j'aime beaucoup les fruits, j'en ai toujours envie. Les amandes, les mangues, les mandarines, les clémentines, les anones, les pommes. Les fruits, j'aime beaucoup les fruits, j'en ai toujours envie. Les amandes, les mangues, les les amandes, les mangues, les mandarines, les clémentines, les amandes, les pommes, les abricots, les prunes. Les prunes. Thank you.
عند مدام صوفيا وبالا سعيد لكل المسلمين شغل زامي ود عيد مبارك سعيد عيد مبارك سعيد عيد مبارك سعيد
Grace, Fatima, Victor, Victor lit le livre, livre des aventures de Viviane. De Viviane. Victor lit le livre des aventures de Viviane. Bonjour maîtresse, bonjour les enfants. Je vous présente les parties du corps. Les cheveux, les oreilles, les yeux, les cils, le front, les sourcils, le nez, les joues, la bouche, les dents, le cou, la main, les épaules, les doigts, les pieds, le genou, la jambe, le ventre, le bras. Il y a 10 points. Voilà le 10. Il y a 0. Voilà le 0.
c'est 7. Voilà le 7. Un, deux, trois, quatre. Voilà le 4. C'est 9. Voilà le 9. C'est 2. Voilà le 2. Au revoir, maîtresse. Pencil case. This is pencil case. Sharpie. A ruler and pencil. Hello friends, I'm Rimkino. Today I'm going to learn shapes. A circle, a square, a diamond, a rectangle, a triangle, a heart, a star, oval. Bye bye friends. This is it. Circle, square, rhombus, tall, look at all, triangle. This is shapes. Circle, rectangle, square, oval, triangle, circle, oval, rectangle, square, triangle, a triangle, rectangle, a circle, square, oval, a star, a diamond. This is Cappy Book. My school desk is pink. Pencil case.
Bonjour, je m'appelle Yasmine Sad, la moyenne section, l'école Les Pliades. Là, le titre du conte, c'est Le plus bel endroit du monde. Dans la ville de Mira, il y a beaucoup de gris. Le sol est gris, les murs sont gris, le ciel est gris. Alors, quand il se balade sur le trottoir avec sa maman, Mira se dit, j'aime beaucoup ma ville avec sa belle robe grise. C'est le plus bel endroit du monde. Un jour, Nadia invite Mira à passer le week-end dans sa maison du campagne. Dans la voiture de papa de Nadia, Mira est assise à la fenêtre. Elle voit des arbres en feuilles vertes, un ciel bleu sans nuages, un soleil jaune. Elle aperçoit aussi un petit lac, un parterre de violettes et des vaches qui broutent de l'herbe fraîche. Dernière partie du conte, le plus bel endroit du monde. Si j'avais un jardin dans ma maison, je planterais toutes les plantes de la terre, dit Mira. Tu pourrais en planter dans des pots sur ton balcon. Quelle bonne idée! Merci, grand-père. Mira imagine déjà un mini-jardin tout vert sur son balcon. Au revoir. La suite du conte Le plus bel endroit du monde. Mira se demande pourquoi sa ville est devenue toute grise. Avant, la ville était un simple petit village. Tout plein de couleurs, dit le papa de Nadia. Mais le village a grandi, on a coupé les arbres pour construire des immeubles. Que c'est triste, tout compte fait, ma ville ne peut être pas le plus bel endroit du monde. Nous sommes arrivés, grand-père est là pour accueillir les deux fillettes. Bonjour les filles, vous allez m'aider à planter des tomates. Mais je ne sais pas planter des tomates moi, je vais te montrer, c'est facile. Tu creuses un trou dans le sol avec une pelle et une pioche. Tu mets des grains et tu les recouvres de terre et tu l'arroses avec l'arrosoir.
maîtresse. Merci pour vos efforts avec nous durant ce confinement. Nous sommes satisfaits. Merci beaucoup. Bonjour Madame Sophia. Bonjour maîtresse Fatima. Et bonjour maîtresse Fatima Zahra. Et shukran muallimati. Bonjour maîtresse Naïma. Merci maîtresse Naïma. Merci Madame Sophia. Merci maîtresse Iman. Merci l'école Les Pléiades. Merci l'école Les Pléiades. Salut Madame Sophia. Salut maîtresse Fatima. Ici Hem et toutes les maîtresses. J'ai préparé ceci pour vous. À l'année. L'année prochaine, Inch'Allah. J'aime beaucoup. Au revoir. La période de confinement, on a eu l'occasion d'apprendre beaucoup de choses à distance. Ça grâce à notre école Les Pléiades. Merci maîtresse Fatima. Merci teacher. Merci madame Sophia. Tu fais une belle expérience. Merci maîtresse madame Sophia, merci maîtresse Fatima, merci. Shukran. Shukran muallimati. École Les Pléiades, vous êtes les meilleurs, vous avez rendu tout plus beau en ces moments difficiles. Merci à toutes les maîtresses pour votre travail. Fikdaus. Eh, je suis. Je ne crois pas madame Sophia. لا واش نقولها هي كي الخدمه ديالها معاك كانت كتعجبك اه بزاف ولا شويه كتحب الخدمه ديالي كتحبي الخدمه ديالك اي بشويه انت برافو وانت كتحبيها اه وماتريس نزها تا هي كتحبني وانت كنحبهم شنو تبغي تقولي لهم انا كنحبكم بزاف انا توحشكم بغيت بونجور Aujourd'hui, je veux remercier mes parents, mes maîtresses et madame Sophia de leurs efforts et de leur encouragement durant cette période de confinement. J'ai appris à dessiner, lire, chanter, écrire, et je me suis beaucoup amusée. Pour moi, c'était une belle expérience. Merci à toute l'équipe de mon école Les Pléiades. Je vous aime tous et j'ai hâte de vous revoir très 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 bientôt.
Bonjour, je m'appelle Yasmine Zed de la moyenne section l'école Les Pléiades. Mes amis me manquent beaucoup et vous aussi, maîtresse Nza, teacher Fatna et madame Sophia. Pendant les mois avril, mai, juin, j'ai appris beaucoup de choses. Le conte, le plus bel endroit du monde, Norbert se souvient, et beaucoup de contines et des mots en anglais, et j'arrive à lire et à écrire l'alphabet, les chiffres et les syllabes. Merci beaucoup, chère maîtresse. Merci beaucoup. Et l'école Les Pléiades. Au revoir. Bonjour, je m'appelle Rita Henry. Mon école s'appelle Les Pléiades. Moi, je suis à la grande section. Sanchkar, Moualli, Metisalwa, Zed, 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 Al-Mejoud, Yalha, Likam, Tidiaha, Sanchkar, la maîtresse Mariam, Sanchkar, Madame Sophia, Sentimena, Douzat, Coronavirus, Bestintlaka, Oulam, Jai, Sanchkar, Kom, وتحشتم دراسة ديالي كاملة بزاف 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 وتشكر مسيو العبد اللهوي على التفاهم ديالو وتشكر المدرسة كاملة وبيرك. Je m'appelle Mariam. Mon école s'appelle Les Pléiades. Je l'aime beaucoup. Pendant le confinement, on a étudié à distance. On faisait des activités et des exercices à la maison. Les maîtresses ont fait avec nous un grand effort. J'aime toutes les maîtresses. Mon école, Les Pléiades, m'a trop mal. Salam alaikum. اسمي ريان جبري لأن دراسة أسرارية. أشكر معلمتي سلوى وفاطمة ومدام صوفيا على مجهودات التي أبذلها لدراستنا. أشهر الحج الصحي والتي مرت في الظروف Assalamu alaikum everyone. My name is Lomay Shakon. I am willing white rice and salted butter and choose pink and black. Goodbye, Titsel. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis la sœur de Zia Jabri, qui est un élève de la moyenne section à l'école Les Pléiades. Je l'ai accompagnée tout au long de cette période. Concernant l'enseignement à distance, c'était une belle expérience. Mais au début, il s'était un peu difficile de s'habituer à ce changement. Mais grâce à vos efforts, vos encouragements, on a pu surmonter cette difficulté et prendre le bon chemin d'apprentissage. C'est pour cela que je tiens à remercier tous les maîtresses de la moyenne section, maîtresse Nzha, la maîtresse d'anglais et aussi Madame Sophia pour ses travaux artistiques. Merci beaucoup. Ziad, est-ce que tu veux dire quelque chose? Oui. Dis-le. Merci beaucoup. Je vous aime. Merci. Au revoir. Salut, je suis la sœur de Zinhia, élève de la grande section à l'école Les Pléiades. Je fais cette vidéo pour remercier toute l'équipe pédagogique de l'école. Merci vraiment d'avoir supporté nos enfants et d'avoir accompagné nos enfants durant cette
période qui a été difficile pour eux. Merci Madame Sophia pour votre écoute et votre temps. Merci Maîtresse Sihem et Maîtresse Fatema pour vos efforts produits afin de faire passer l'information à nos enfants claire et nette. Ce que j'ai à dire, c'est que je suis satisfaite comme pas possible de cette aventure qui est l'éducation à distance. Merci vraiment, ça a été bien fait. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire et à l'année prochaine, Inch'Allah. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أتقدم بالشكر لمؤسسة ثريا في شخص مديرها وكذلك لأطرها التربوية أخص بالذكر مدام صوفيا المرأة الطيبة الفاضلة المجاهدة حباك الله بكل ما تريدين أيتها المرأة الفاضلة وحب أسرتك إن شاء الله بما تحبين وترضين ويقر عينك إن شاء الله كذلك أخص بالذكر أستاذة نزهة الأستاذة العظيمة الأستاذة المحبوبة الأستاذة المحبة الأستاذة المعلمة بالمحبة وبالطيبوبة وبحسن الأخلاق صراحة لم نجد منك إلا ساعة الصدر وراحة مع هؤلاء الأطفال فجزاك الله خيرا عليها كذلك أستاذة اللغة الإنجليزية أعتذر إن لم أعرف الاسم فأشكرك جزيلا على نطقك على نطقك السليم على تعليمك لأبنائنا للغة الإنجليزية بطريقة سليمة كذلك أشكر الإدارة شكر خاص للإدارة على مساهمتها في القرارات التي لم تثلج صدورنا فقط وإنما كانت قرارات مفاجئة صراحة إذن أخص بالذكر في هذا الباب صاحب المؤسسة الرجل الذي لم أتشرف بمعرفته بعد والذي تدل تصرفاته وصفاته على أنه شخص شهم قائد رجل بكل ما تحمل الكلمة من معنى مواطن محب للمشروع ومؤمن به ويعمل عليه فأعانك الله على مشروعك التعليمي هذا وجعله في ميزان حسناتك بالنسبة للظرفية الحالية ظرفية كورونا فهذه ظرفية يعاني منها جميع المغاربة ليست فقط مؤسسة بل يعاني منها جميع المغاربة بالنسبة للنظام التعليمي الذي اتبع وهو الدراسة عن بعد فأنا شخصيا أرى أنه كان ناجحا في مؤسستكم لعدة أسباب من الأسباب أخص بالذكر كون المؤسسة قد تعاملت بطريقة مرنة في إعداد البرنامج في التأقلم في المواكبة في الحرص على تنفيذ المشروع البيداغوجي وأهنئكم صراحة على نجاحكم في هذا أهنئ المؤسسة أهنئ المتابعين للموضوع أهنئ الأساتذة الفاعلين جزاكم الله خيرا الكلمة لا تنفيكم حقكم وأطلب من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الأب ديال سعد الإدريسي تلميذ بالمؤسسة الحديثة ثريا بمناسبة اختتام الموسم الدراسي 2019-2020 اغتنم هذه المناسبة من خلال هذا الشريط البسيط بأن أتوجه بجزيل الشكر وعبارة التقدير والاحترام إلى كل الطاقم التربوي والإداري المشرف على تسيير هذه المؤسسة فالشكر الموصول إلى السيدة المديرة وإلى الأستاذ الفاضل المحترم السيد المدير التربوي إلى كل أعضاء الطاقم الإداري المشرف على هذه المؤسسة والشكر كل الشكر موصول إلى كل الأستاذات اللواتي يدرسنا ويربين أبناءنا فلهن منا جزيل الشكر وعظيم الامتنان شكرا للأستاذة المحترمة نزهة شكرا للأستاذة صوفيا شكرا أستاذة مادة اللغة الإنجليزية شكرا لكل الأستاذات ولكل الأساتذة العاملين بهذه المؤسسة والشكر كذلك موصول إلى كل الأعوان وكل المستخدمين من سائقين من عمال النظافة من أعوان لهذه المؤسسة ففي حقيقة الأمر من خلال عملية التعليم عن بعد بسبب هذه الجائحة جائحة كورونا التي عرفها المغرب على غرار باقي بلدان العالم لابد من نوه بطريقة التدريس وبالمجهودات اللي بدلوها كل الأستاذات وكل الأساتذة وأنا أخص بالذكر هنا
الأستاذة نزهة والأستاذة صوفيا أستاذة مادة اللغة الإنجليزية كذلك اللي في حقيقة الأمر قاموا بواحد المجهودات كبيرة جدا وبشكل يومي دون ملل فلهن منا جميعا جزيل الشكر. هذا من جهة. من جهة ثانية لا بد أن أنوه كذلك بالمبادرة الطيبة اللي أخذتها المؤسسة على العاتق ديالها بإعفاء أباء وأمهات التلاميذ من بعض واجبات تم درس خلال هذا الموسم، وهذه المبادرة كان لها صدى طيب وأبانت حقيقة على غيرة المؤسسة وعلى الوقوف ديالها إلى جانب الأسر خلال هذه الجائحة، فلكم منا جميعا جزيل الشكر، وخصوصا في ظل واحد الصراعات وواحد النزاعات اللي عرفتها مجموعة من المؤسسات مع الأباء والأمهات إلى أن هذه المؤسسة بسمعتها الطيبة في حقيقة الأمر وقفت إلى جانب الأباء إلى جانب الأمهات. فشكرا لصاحب المؤسسة اللي كنتمنوا له دوام الصحة والعافية. شكرا مرة أخرى لكل الأطر التربوية لكل الأطر الإدارية العاملة بهذه المؤسسة اللي في حقيقة الأمر أي حاجة قلناها في حقكم فهي قليلة. ومن هذا المنبر كذلك كنتمنى للوليدات والأبناء ديالنا نهاية سنة سعيدة، كنتمنى لهم التوفيق في المسار الدراسي ديالهم مستقبل زهير، ان الاباء والامهات ديالهم يفرحوا بهم جميعا ان شاء الله، واننا نرجعوا ان شاء الله تعالى في الموسم الدراسي المقبل وحنا في صحه وعافيه، وان هذه الجائحه ان شاء الله تكون مشات في حالها ورجعوا للحياه الطبيعيه ديالنا ان شاء الله تعالى. وختاما كنطلب من الله تعالى أنه يرفع عن أمتنا وعن وطننا هذا البلاء وهذا الوباء، وأن يحفظ هذا الوطن بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ناصره الله من كل سوء، وأن يشافي جميع المرضى الذين أصيبوا بهذا المرض، وأن يبعد عنا جميعا السوء. وشكرا لكم. شكرا مدام صوفيا، شكرا لميتريس نزهة، شكرا تيتشر إنجليز. إذن شكرا مرة أخرى جميعا لكم، وأتمنى لكم عطلة سعيدة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Chère maîtresse de la grande section groupe B école La Pléiade, je tiens à tenir mes remerciements pour tous les efforts que vous avez déployés pendant ce moment exceptionnel, cette année exceptionnelle avec des circonstances vraiment exceptionnelles. Je tiens à vous dire que pendant ce confinement, les mots, les syllabes, les lettres n'ont jamais confiné avec vous. Les coins de la maison se sont fleuris de vos voix. J'ai beaucoup apprécié ces petits enfants qui nous ont rafraîchi le cœur avec des petites maladresses, des petites faiblesses, des génies qui jaillissent d'ici par là. Je vous remercie pour votre patience. Vraiment, je tiens à tirer mon chapeau, à vous applaudir. Merci la maîtresse Fatima, merci Moëlimeticien, merci Madame Sophia pour votre vivacité et merci encore. Merci la maîtresse Fatima, merci Moëlimeticien, merci Madame Sophia. J'ai beaucoup appris avec vous et je vous souhaite bonnes vacances. Merci Madame Sophia, merci Madame Fatima et merci Madame Siham. Merci infiniment pour l'amour que vous avez donné à nos enfants. Vos apprentissages méritent des remerciements en or. Vous méritez l'amour et le respect que vous nous avez appris à nos enfants et au plaisir de vous retrouver encore une fois pour continuer l'aventure. Malgré toutes les contraintes, vous avez fourni beaucoup d'efforts durant cette période de confinement et à très bientôt et que Dieu vous protège. Merci à l'école des Pléiades. السلام عليكم. اليوم جيت باش نقدم تحيه خاصه لمدرسه الثريا. بغيت نقول لكم شكرا بزاف لكم على المجهودات الجباره اللي درتو معنا ومع وليداتنا في هذا الكونفينمون، بارك الله فيكم. في الحقيقه كان هذه الدراسه عن بعد كانت يعني خطوه ماشي سهله ماشي هينه لا بالنسبه لكم ولا بالنسبه لينا، ودابا عاد عرفنا يعني بالمجهودات ديالكم بالخاطر اللي كديروا مع وليداتنا في المدرسه والعمل ديالكم الشاق ماشي يعني سهل. وبغيت نوجه تحيه خاصه جدا لمدام سوفيا، المراه الطيبه الحنونه اللي كانت
مثابة أم تانية لوليداتنا هي مدام نعيمة وكلكم، وكنقول لكم شكرا بزاف بزاف، بارك الله فيكم ودمتم إن شاء الله دائما متألقين وناجحين، ومدرسة ثريا تبقى دائما مثل ثريا، وشكرا بزاف. Mélangeons demain dans un refrain nos visages, métissage. On écrit sur les murs le nom de ce qu'on aime. Que l'on voudrait dire, on écrit sur les murs.